Et conséquence, de plus en plus de villes imposent le port du masque obligatoire partout dans les rues. Après Paris hier, c'est au tour de Strasbourg à partir de ce matin. Et le port du masque, c'est une contrainte raisonnable, affirme Emmanuel Macron. Reste que pour Jean-Luc Mélenchon, la gestion des masques par le gouvernement est catastrophique. Le leader de la France insoumise était en déplacement hier à Haubourdin, près de Lille. Ils ont créé une pagaille avec ça. Ils ont à peine fini de dire « faut que tout le monde en mette ». Dans une rue, oui, dans l'autre, non. Personne ne comprend rien. Donc ils ont eux-mêmes créé le trouble, le doute. Vous avez des millions de gens qui savent plus ce qu'il faut faire. Alors bon, et ça, c'est eux qui ont créé ce doute. C'est géré à la petite semaine. Je trouve que c'est pas sérieux. Alors après, vous savez, organiser la discipline. Les Français, ils veulent bien être disciplinés, mais ils veulent pas qu'on se foute d'eux, quoi. Alors à la fin, ils comprennent plus. On prend pas de risque à se mettre un masque sur la figure. Peut-être que ça sert à rien, mais on n'en prend rien si on le met pas. Donc moi, je recommande de respecter la discipline sanitaire. Jean-Luc Mélenchon au micro de Lionel Gougelot. Il sera aujourd'hui à la journée d'été du Parti communiste à Malo-les-Bains, près de Dunkerque. Allez,